Nous sommes à Peyrehorade, dans le sud-ouest de la France. On est sur un site industriel qui a la particularité d'être cross-fonctionnel. Alors c'est d'abord un site de production, on fait des semences commerciales de maïs et de colza, mais on a aussi un laboratoire européen et une troisième activité qui est ce qu'on appelle nous dans notre jargon le breeding ou la sélection variétale. Je suis responsable du site, ce qui veut dire que je suis d'abord responsable de l'ensemble des salariés qui sont sur ce site, d'un point de vue d'une part de la sécurité et puis aussi vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'on a tout un tas d'obligations qui sont soit réglementaires, mais aussi même sociétales, et c'est quelque chose qui est important pour moi. Je gère une équipe pour tout ce qui est semences potagères. On s'occupe de la germination, donc on reçoit des échantillons, et en fait on va les faire germer dans des buvards pour déterminer la germination de la plantule, pour les champs, les cultures, dans les serres, voilà. On travaille au laboratoire de physiologie. Nous contrôlons la qualité des semences avant vente à l'agriculteur final. On va faire plein d'analyses pour vérifier que le lot est aux normes et puis il faut satisfaire notre client en lui vendant des bons produits. Je suis responsable opérationnel, concrètement donc je suis responsable d'unité de production. Donc j'encadre et j'anime un atelier d'environ 30 personnes. Donc l'objectif de cette unité de production, en fait, c'est de nettoyer les graines qui arrivent des champs et de les calibrer. En vue d'être traité par la suite et d'être en sachet. Et c'est également participer à tout ce qui est projet d'amélioration au sein du site pour essayer d'améliorer donc le quotidien des opérateurs. Alors ici, nous nous trouvons sur une parcelle de maïs, une pépinière de recherche exactement, située à 15 km du site de Peyrehorade. Mon métier et le métier de l'ensemble de mon équipe consiste à développer ces variétés de maïs. Donc ces variétés de maïs qui vont devoir répondre à un certain cahier des charges ou plutôt un besoin de la part des utilisateurs, qu'ils soient agriculteurs ici en France ou dans d'autres pays d'Europe. Alors moi je suis responsable de la production de maïs semences et de colza. J'ai une équipe technique qui tourne sur le terrain pour aider les agriculteurs à bien réaliser leurs opérations. Et je suis plutôt responsable de la bonne réalisation de toutes les opérations pour amener les semences de qualité et en quantité suffisante à l'usine de Peyrehorade. Je suis vraiment très très fier de ce que nos équipes ont développé depuis maintenant plus de 20 ans. On essaye dans nos modes de management de faire attention aux gens et de les développer. C'est un site multifonction, donc c'est hyper intéressant d'être sur ce site-là, puisqu'on est en connexion avec plein de personnes. Ce qui me plaît, c'est vraiment l'atmosphère humaine qui se dégage de ce site. J'aime ce que je fais, donc c'est sûr que je me lève le matin, j'ai envie d'aller bosser. Donc ça, c'est sûr que c'est pas une contrainte, on va dire.